Voilà, comme ça on en finit cet après-midi avec Mario Kart. Pas énormément de coupe, ça va le faire. Je pense. Petit problème avec ma manette, dis donc. Bien sûr. Voilà. Alors, il reste 6 coupes. 6 coupettes. Oh putain, gars. T'as déjà le troisième tour. Comment ça va vite que... Truc de ouf. Ah, saloperie.
pitch, elle colle au cul, hein. Un truc de ouf. Ah, salut Tron, ça va et toi? Plus de temps. Ah putain, salopard. Alright. Ça, comment je l'ai fumé. Ah là là, là j'avais deux choix. Ça va? Bon, c'est le principal alors, hein. Ça va. Hop, je l'ai vu venir. Ah mais sérieux. Bon là on est en mode miroir, hein, c'est-à-dire plus dur que le mode 150 cm3. Donc faut gérer quoi. Faut gérer. Et c'est ça qui est bon quoi. Et du challenge. Ça c'est cool. Putain. Sur le fil. Ah bon, c'est bien passé quoi. Ah, qu'est-ce que tu racontes de beau, Tron? Merci. Là, c'est pas facile, hein. Le but, c'est d'être premier partout, quoi. Parce qu'on a une carte de joueur. Donc, il y a 50, 100, 150 et miroir. Pour l'instant, on a tout. Dans toutes les catégories. Là, il nous manque 6 coupes à faire en miroir, quoi. Et je peux te dire... que c'est pas gratuit, c'est pas gratos, vraiment vraiment pas gratos. Comme tu peux le voir, ils sont impitoyables et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Alors bah je me repose car fatigué en ce moment. D'accord, très bien. Ouais, bah repose-toi, écoute, repose-toi, hein. Prends des forces, c'est ce qu'il faut. Ça finit par passer ces choses-là. Faut se reposer, t'as bien raison. Donc, en mode détente avec Mario Kart, oui. On en finit. On l'avait commencé, il y avait un bon moment. Sérieux, putain, je me prends tout là. Alors, faut pas que j'oublie de faire du half pipe aussi. Mais quelle naze. Le half pipe, ça consiste en ça.
C'est ça le pipe. Pour pas se prendre la neige qui te ralentit. Voilà. Hop. Eh bien sûr, bah oui. Impitoyable. Impitoyable. Oh là là, sérieux. Ça va être tendu quand même. Putain. J'ai confiance. J'ai confiance. Allez. Half pipe. Half pipe. Ah là là, juste à la fin, je l'ai eu. Ah la vache, je collais au cul, quoi. Il me collait au cul, plutôt. Ah la vache. C'est serré, là. Ah, c'était serré, là. Ah, grave. Ah, putain. Mais bon, c'est passé. C'est les courses rétro les plus dures en vrai. Celles de GameCube, DS, Game Boy Advance, SNES, N64. Les courses spéciales. C'est pour ça que j'aime bien les anciens Mario Kart. C'est dégueulasse, j'avais tout. Il est pas très aimé comme Mario Kart. Hein. Moi je l'aime bien. C'est un des Mario Kart que j'ai le moins joué à l'époque. J'y ai pas mal joué, mais c'est un que j'ai le moins joué. Ah putain, c'est le bordel. Là, ça va être tendu. Bon, c'est la dernière course. Il va falloir avoir une bonne place quand même. Hein. Pour avoir la coupe en or. Non, c'est à recommencer. Encore une fois. Ouais, mais bon. Regarde ça. Sérieux. Enfoiré. C'est dégueulasse. Oh, malheur. Là, j'aurais pu vraiment être bien, mais bon. J'ai foiré. Et jusqu'au bout. Rien n'est terminé tant qu'on n'est pas au bout. Ça peut se jouer juste à la fin, des fois. Je sais pas combien je vais être là, j'espère que ça va le faire. Normalement oui. À un point j'ai la coupe en or, c'est bon. Putain, ça devient chaud. Ça devient tendax. Mais j'ai la coupe en or, c'est ce que je voulais.
Ah, tu vois, c'est ça le but. Tu vois, c'est tout remplir en or. Tu vois, les cartes là, elles sont vierges au point de départ. Donc j'ai tout en or hein, pour l'instant. Il me reste 5 coupes. 5 coupettes. Et on aura tout. Mais ça va être chaud. Attends, s'il me reste un personnage à débloquer aussi. Et un carte éventuellement. Donc voilà quoi. Allez, c'est parti. C'est parti. Ah, cette coupe là, elle est trop chaude. Elle est chaude. C'est les circuits rétro dont je parlais. Tu vois, Nintendo 64. Royaume sorbet inversé, bien sûr, hein, c'est les modes miroirs, donc les courses sont inversées. Quoi. T'as beau connaître les courses, en inversé, c'est pas la même limonade. On va faire attention. J'ai pas eu. T'as dû le connaître sur 64 ce Mario Kart. Je pense. Comme beaucoup. Bien sûr. Je vais dessus juste à la fin quoi, dégoûté. Ça peut être bon pour moi si je fais pas le con hein. Deuxième, dégagé. Ce qu'il y a de cool dans ce jeu, c'est quand tu prends l'aspiration. Tu peux prendre l'aspiration des autres. Et ça, c'est cool. Elle me colle au cul depuis le début. C'est juste dingue. Ah la vache. Dégoûté de la vie. On peut bien recommencer, hein. Ah putain, cette coupe de merde. Yeah.
Alors ça c'est archi dégueulasse quoi. Putain de pingouin! Ah putain! Allez! Ça c'est pas mal, hein. Heureusement, ah alors on voit rien, putain. Au secours. Qu'est-ce que je me suis pris là? Là c'est la plus dure hein, de la coupe. Quoi? Oh là 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 là, le bordel, le carnage. Bien sûr. Oh la vache. Allez fils de pute. D'accord, ok. C'est le dernier tour, c'est pas la peine. Hein. Ah quand je vous dis que là, ça devient tendax. C'est pas un hasard. Ah putain. Les salauds. Faut surtout pas se prendre les murs quoi, c'est le pire. Ouais, go go go. C'est un truc de salaud quand même. On va gérer, on va essayer. Oh putain! Je n'ai jamais voulu faire ça. Non. Bon. Tant pis, tant pis, tant pis. Bien sûr! Oh, ça va encore, il y a moyen encore. Il y a moyen quand on fait pas le con.
toutes les carapaces qu'il y avait ici. C'est une blague? Oh putain, je croyais que je passais. Ah, je suis dégoûté. Ah putain de merde. Allez, dernier tour. Ah, je l'ai fait tomber dans le trou, lui. Terrible. C'était la bonne idée. Allez, ils peuvent me faire une vacherie, hein, jusqu'au bout. Jusque la fin. Ça va. Promets. Mais bon. Ah, j'ai géré là quand même. Ça va. C'est éteint. Et même à l'arrivée, je me prends des carapaces. Quoi. Ouais. Nice, parce qu'elle est chiante celle-là en plus. Les autres, ça va à peu près aller, je pense. Bah, je dis ça. Celle-là, elle est hyper chaude aussi, en fait. Elles sont toutes chaudes, en fait. Avec les crabes de fou, là. Eh oui. C'est sur Game Boy Advance. Je les loupe tout. Tout ce jeu loupe. Putain, je te jure, incroyable. Ah, quoi ça? Hop. Hop. Putain, depuis ce matin, j'ai des trolls de fou comme ça. Trois d'un coup, là. Un truc de fou. Trois d'un coup, quoi. C'est une blague? Ce matin, j'en ai eu deux déjà. C'est une grosse blague. Je te jure, incroyable. Je te rassure, j'ai eu pareil hier, 3... Ah ouais, putain. Ah, c'est fou ça quand même. Donc ça à foutre. Putain de troll. Oh non! Putain, c'est dégueulasse. Oh mais vas-y! Oh la vache! C'est le dernier tour en plus, c'est mort. C'est mort. Waouh! Salut, comment ça va? Petit Mario Kart tranquille. Salut, Evil Dali. Ouais, ça va impeccable, et toi? Ouais, petit Mario Kart tranquille, ouais. On finit ce qu'on a commencé. On est en mode miroir, là. Je peux te dire qu'on en chie, quoi. On en chie. Mais ça avance bien, ça avance bien. C'est les dernières coupes qu'il nous reste à faire pour avoir toute la carte en or, quoi. Toute la carte de joueur en or.
Comment tu vas, toi? Ça va très bien. Bon bah écoute, c'est parfait alors. Parfait. On a passé une bonne soirée hein, l'autre soir quand même. Halloween. C'est sympa. Du zombie et de la musique. C'était cool. Ah, j'ai passé un bon moment. Vas-y. Ah la vache. Bon, celle-là, c'est pas la course la plus dure, mais... Grave, tu m'as ambiancé en fin de live, c'était cool. Ah ouais, pas en début. C'est la musique qui t'a plu, toi. Moi, la totale, en mode zombie. J'ai kiffé y rejouer. C'était le bon moment en plus. Lire après, puisque là j'ai pas droit à l'erreur. Ah, dans ce mode là ils prennent tout, c'est vraiment des bâtards quoi. C'est vraiment des bâtards. Dernier tour. Ah, prends-toi le mur, c'est parfait. Ils peuvent me faire des saloperies, hein. C'est pas parce que je suis premier que... Ah la vache! Allez, je vais aller par là aussi, moi. Pour moi, c'est intéressant. Il y a du challenge. Ah, il y avait un petit champoc, ça, ça aurait été pas mal. Ah la vache, j'avais pas mal d'avance. Allez. On a la fin. C'est bon. Ouh. Ah, non, tout m'a plu. Je suis resté du début à la fin. La musique, ça me touche beaucoup trop. Ouais, enfin, ça, ouais, ça ambiance, comme tu dis, comme t'as dit au point de départ. C'est sûr, c'est sûr. Et je peux comprendre parce que, bon, bah, quand on laisse choisir chacun sa musique, c'est sûr que... plus cool quoi. Et ça je peux le comprendre. Bah, j'en fais pas mal des soirées comme ça. C'est surtout le week-end. Je commence par du rétro et puis après... Bon. Putain, ça je savais. Ah ouais, il y a marqué dans le titre Evil Dali. C'est le mode miroir. C'est le dernier mode. On a tout en or sinon. Je vais le montrer après si tu veux. L'objectif sur ce jeu, c'est de remplir la carte tout en or quoi. C'est bien parti. Bah si, miroir, à ton avis.
Mode miroir, c'est tous les circuits inversés, toutes les coupes inversées. Et c'est toujours en 150. Et ils sont beaucoup plus agressifs. Bien entendu. Évidemment. Comme tu peux le voir d'ailleurs. Faut aucun cadeau, hein. C'est vraiment... On est dans la dernière course en plus. Un item peut tout changer donc. Ah, le mode miroir, c'est inversé, tu sais bien quand même. Allez, ça, on prend. Ça va être temps d'axe de finir premier là. C'est pas mal. Si je fais pas le fou, ils vont me faire une vacherie juste à la fin encore. Qu'est-ce que je disais? Allez, on est arrivé. Allez! Putain! Ah ouais, ouais. Ah mais bon, hop, c'est évident que c'est miroir. C'est inversé. Merci pour le GG. Bon, on a la coupe en or, les gars. Putain. Cette coupe, quoi. Cette coupe de l'enfer. Cette coupe de l'enfer sur Terre. Ouais, il est bon celui-là aussi. Ouais. Mais mes préférés, c'est version SNES et version N64. Le double dash est excellent. Alors, tu vois, je t'explique, c'est ça. Là, on est au 7ème épisode en live. Toutes les coupes, toutes les courses, tout en or. Donc, l'objectif, c'est de remplir tout en or. Donc, il nous reste 4 coupes à faire. En or, j'ai bien. Bah, cette live, hein, mais je l'avais commencé il y a des mois celui-là. Donc, je reprends les jeux commencés pour les finir. Je me suis donné comme objectif de finir les jeux commencés. Tous les jeux commencés. Pour la fin de l'année. Ainsi que les jeux du viewer. Et je n'entame rien d'autre avant, sauf bien sûr pour les fêtes. C'est différent parce qu'il y aura des lives exceptionnels. Pour le jour de Noël, par exemple. Déjà. Donc, Donc évidemment que le jour de Noël, il n'y aura pas... voilà, ce sera pour... ce sera live de Noël, quoi. Donc ce sera des jeux... On verra bien. Je n'en dis pas plus. J'ai déjà des idées. Je n'en dis pas plus. Ce sera pareil pour le 31, je crois, parce que... En mode confiné, cette année, on va pas pouvoir sortir beaucoup et faire quoi que ce soit. Donc... À part aller voir la famille, c'est ce qui compte, hein, à la base, de toute façon. Voilà, quoi. Ça charbonne dur avec Nono. Mais ça va, cette live. Ça. Mais je l'avais commencé début d'année celui-là. Salut Colgrom.
Bienvenue sur le live. Ça va? Bye bye. Vas-y, approche-toi, toi. Juste à la fin, je vais péter la tronche. Merci pour le GG. Colgrom. Je prononce bien au moins. Ouais, Colgrom. On s'en sort pas mal. On s'en sort pas trop mal. C'est vrai, c'est inversé, faut que je me rappelle, putain, parce que je les connais bien les circuits. Vu que c'est en mode miroir, un petit peu plus compliqué. Oh merde, ouais, tu vois, juste je le dis, hein. Je fais quoi? Je fais l'erreur. T'as pas trop droit à l'erreur, hein. En miroir comme ça. Ça pue, quoi. Boum! C'est très déstabilisant, c'est exactement le mot que je disais tout à l'heure. Effectivement, c'est déstabilisant. C'est le mot. C'est fait exprès. C'est fait exprès. C'est exactement le mot. Hein. C'est ça. Là, j'ai encore une erreur. Deux débutants. Alors là, je refais pas la même erreur, bien sûr. Au deuxième tour, on ne fait pas la même erreur. Pouf ! Je suis passé, mais voilà quoi. Oh ! Tiens ! Boum ! Quel sniper! Quel talent de visée! Ça, c'est vraiment écœurant! C'est écœurant, ça! Ça, c'est le dernier tour en plus! Eh oui! Là, c'est de ma faute, eh oui. Ah non, pas pour moi, putain, merde. J'en ai déjà eu assez. C'est pas fini. Bon, ça pue un peu du cul, là. Ça pue, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue. Ah oui, ça pue. Ouais. Allez, là peut-être. Dernier item. C'est cuit avec ça, ça. Septième.
J'y crois très peu. Je suis troisième. On peut encore revenir. On peut encore revenir au score. J'arrive à allumer un petit peu ce qui fait sombre. Voilà. Un petit peu mieux comme ça quand même. J'ai pas regardé, c'était la combienième de course. Quelqu'un a vu c'était la combienième de course? C'était la troisième ou la dernière celle-là? Je sais pas si quelqu'un a vu, au cas où. On sait jamais. Putain. Troisième. Et bonjour. Lucky Van. Putain. Et merci pour l'info du coup, donc ça va peut-être, si je gère à peu près, hein, peut-être moyen encore de revenir au score. Ça pue quand même. Moi je dis. Putain, je crois. On a un peu d'aspiration. Alors, dans ce jeu-là, c'est ça qui est bien, c'est. Quand tu restes derrière quelqu'un, tu prends sa vitesse. Ouais, oh, j'aurais pas dû le faire maintenant, j'ai déconné, mais à mort. Mais j'ai trop déconnax. Ah, quoique. Wouhou! Ah putain, je vous jure. Ah non, mais en miroir, c'est horrible. C'est horrible. Go, 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 go! Allez, champ pipi. Pas trop quand même. Oh putain! Oh non. Là, ça pue. Ah non. Allez. Un petit éclair des familles. Ça les freine, hein, mais je suis assez loin, donc... J'ai déconné, là. Mauvaise course, mauvaise course, mauvaise course. Mais bon, il y a moyen. Tant qu'on n'est pas arrivé, tout reste jouable. Mais dégage-toi! Ça sent pas bon quand même. Allez, Nono! Ah putain, je vous jure. Eh, troisième, c'est plutôt cool. Ouais, c'est bien. Putain, j'ai bien rattrapé, hein. Bon, il nous reste... À la prochaine course, faut être premier. Ce serait le top. Merci pour le GG. Premier ou deuxième? Deuxième, je sais pas. Je crois pas, mais... Faut être premier, faut être premier. C'est ça quand je dis... Rien n'est fini. Tant que t'as pas fini la course, rien n'est fini. Jusqu'au bout... Ah. Bon, celle-là elle est hyper chaude en plus, je sais pas, on va voir. Merci pour ton follow, Lucky Van. Ah oui. Ah oui.
Toutes mes alertes sont rétro. Sans exception. Ouais, faut que je gère là. J'ai pas envie de la recommencer vraiment la coupe. Mais vraiment pas. Merci du compliment, tant mieux si ça te plaît. C'est le principal. Heureusement que j'ai gardé mes carapaces. Sur Twitch, le follow, c'est un dialogue. Hein? Sur Twitch, le follow, c'est un dialogue dans Tintin. Ton follow à toi? C'est ça? Ça que tu veux dire? Ah d'accord. Allez, chacun son univers. Hein. C'est ça qui est bien d'ailleurs. Allez, Nono, putain. Oh, l'avance que j'ai! Non! Mais comment j'ai piloté comme un ouf! En plus, ce circuit-là, c'est le plus dur pour moi, quasiment. Oh non, c'était la glace. C'était la glace. On va pas se mentir. Putain, l'avance que j'ai, quoi. Je n'y croyais pas. Incroyable. En plus, on est arrivé. Ouh, la classe! Putain, vache. Moi, j'appuie sur le bouton suivre sur Twitch, mais ça ne fonctionne pas. Ça, c'est parce que t'as dû déjà me suivre à une époque et t'as dû changer de pseudo ou de compte. Et que, bah, moi, ça marche qu'une fois l'alerte. Hein. Quand tu me follow, sinon, bah. Ou alors, tu t'es unfollow, comme on dit. Tu t'es enlevé, je sais pas. Ça marche pas plusieurs fois. Sinon, t'imagines les spams d'alerte? Suivre, dessuivre, suivre, dessuivre, suivre, dessuivre. T'en as, ils s'amuseraient qu'à ça. Merci pour le GG. Ah. Pourquoi t'as une follow? Ça te plaisait plus? Après que t'aies changé de pseudo. Normalement, ça change rien. Si t'as follow, t'as follow. Je voulais réentendre, ouais. Ouais, mais c'est ça que je dis, t'imagines? Si tout le monde faisait ça, le spam d'alerte, quoi. Pa, 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 pa. Ah, le nouveau véhicule. On va le tester. On va le tester. Il nous reste 3 coupes. Tu suis tellement de gens sur Twitch. Faut pas... Faut... Voilà, quoi, après... Moi, je suis qui je suis, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que... Voilà, quoi. Qui je suis, je soutiens comme je peux et je passe le voir. On peut pas soutenir tout le monde, donc je suis pas tout le monde. De toute façon, il y a suivre et suivre. En général, quand on me follow, je rends le follow pour voir ce que fait la personne. Si ça me plaît, bah, je continue. Si ça me plaît pas, bah... Voilà. C'est ça que je fais. Mais je rends, en général, je rends. Pour savoir ce que fait l'autre, justement. Comme ça, la prochaine fois que la personne qui m'a follow et que j'ai follow au stream, bah je suis au courant, je peux aller voir ce qu'elle fait. Voilà, voilà. Faut pas suivre pour suivre, quoi. Ça sert à rien. Go, 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 go.
Après, chacun fait ce qu'il veut, encore une fois. Hein. Si t'as envie de suivre juste pour faire plaisir, tu le fais, quoi, je crois. Chacun fait ce qu'il veut. Bien. Moi, je suis des streamers qui streament des jeux que je suis. Je me doute bien, ouais. Quand je suis, quand sympa, j'essaie de passer au mieux. Ouais, après, faut que le contenu te plaise aussi, quoi. Ah, comme tu dis, ça dépend. Hein. Ça m'est arrivé de suivre des gens sympas. J'aime pas spécialement ce qu'ils font comme jeu. Et la personne est sympa, donc je peux comprendre ça. Sérieux toi? Il s'est pas pris ma banane lui. Ah bon. Moi oui par contre. Putain, ils arrêtent pas là. Oh! C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Hey, je suis premier là. Pas GT. Ah la vache, les petits salauds. Me, non, non, ça roule un peu, ouais, ça roule pas mal, ouais. Heureux, le corps. Ça roule pas mal. Ça roule pas mal. On en finit, quoi. On en finit, il nous reste plus grand chose à faire en or, comme ça. Oh, un jeu fini de plus. Comme ça, on passe à autre chose demain aussi. Pour moi, le finir, c'est avoir tout en or, quoi. Là on est en miroir, super chaud. Faut vraiment être à ce qu'on fait, quoi. C'est galère. C'est assez chaud. On va pas se mentir. C'est assez chaud. T'as raison, l'ordure. C'est toi l'ordure. L'ordure. Vraie petite ordure. Allez. Putain, je me suis dit, il va se prendre le mur ou quoi. Putain, on a bien rattrapé avec ça. Putain, mais faut que j'arrête de regarder le chat, moi. Ma parole. Voilà, j'arrête. Je peux pas empêcher. C'est la folie ce truc. Ah, je croyais que c'était pour ma gueule. Donkey Kong là aussi, oh la vache! Comment il m'a poussé Donkey Kong? Ça va, il reste un tour. Heureusement d'ailleurs. Et puis ils me poussent et tout, ils sont vraiment impitoyables.
Impitoyable. J'aurais jamais dû l'acheter maintenant, ils vont me faire une saloperie. Bon, la saloperie, c'est pas eux qui me l'ont fait, c'est le circuit. C'est pareil, sinon pire. Allez, on garde ça au cas où ils nous font une saloperie. Voilà, c'était la saloperie. On est à la fin. Il peut m'arriver une saloperie, hein, juste à la fin. Ça va, franchement. Ouf! Ouais, je gagne. Merci pour les GG. Salut, Limalkint. Limalkin. Malkin. Salut, Malkin. Bienvenue parmi nous. J'ai pas vu. Oh, c'est pas grave. Vous avez vu mon résultat ou quoi? Est-ce que je suis revenu premier? C'est la dernière course, ça, je crois, non? Troisième course. Bon, c'est le circuit Donkey Kong. Sur N64. Donc c'est chaud, quoi. Ok, bah, plus Elcor, une fois de plus. Jet Grill, c'est mon autre compte. Ah bah salut Jet Grill alors. C'est avec un émulateur que tu joues à ce jeu ou sur la console d'origine? Bah toute la description est marquée en bas. Et vraie console, hein. Vraie console, vrai jeu. Manette, oui. Il n'y a pas d'émulation ici, Colp Chrome. Mais c'est marqué, si tu prends le temps de lire ma description juste en dessous du live, tout est marqué. Je ne fais pas d'émulation. Donc là on est sur la Wii U qui lit les jeux Wii. Sur ROM PS2. C'est quoi le jeu? Putain, t'es sérieux, j'avais une banane, c'est dégueulasse. Oh. Ils sont impitoyables. Après, j'ai rien contre l'émulation, hein, sauf que c'est pas mon truc. Je préfère avoir... les consoles physiques et les jeux physiques, matériel d'origine. Je n'ai rien contre l'émulation, hein. J'en ai fait pas mal pendant des années, quand j'avais rien, quand je n'avais plus rien. Il y a de la très bonne émulation, il y a des gens qui travaillent sérieusement dessus. Je ne crache pas dessus, je m'en suis déjà servi, je n'ai rien contre. C'est pas mon truc, quoi. Du tout. Et ça ne l'a jamais été, même quand j'en faisais. Ça dépanne, quoi. Ça dépanne. Ouais. Rien ne vaut le matériel d'origine, les jeux d'origine, consoles d'origine, tout, quoi. Rien ne vaudra jamais ça.
sur Xbox et comme il est jouable à deux, je suis en Belgique et en France. Donc pour jouer à deux, ben, la ROM sert des fois. Non mais je te demande c'est quoi ton jeu? Je t'ai demandé c'est quoi comme jeu quoi, par curiosité, que t'as sur Xbox. Premier c'est bien. Fallout Brotherhood of Steel. Alors, je sais pas si c'est un rapport avec les Fallout en général, je pense pas. Mais ça me dit rien autrement. Ça me dit rien autrement. Je sais pas si c'est un rapport avec le Fallout qu'on connaît, quoi. Je pense pas. Mais en tout cas. Hein? C'est ça, c'est un Fallout? Non, canon? Raconte. En tout cas, j'y ai pas joué, ça me parle pas. De nom, vite fait, mais moi j'y ai pas joué. Mais tu sais, ça pourrait être un autre jeu, donc ouais, c'est vrai que c'est pas évident, quoi. Parce qu'il y a les Fallout, effectivement, tu vois. J'ai fait le New Vegas, moi personnellement, si ça te parle, en Fallout. Je sais qu'il y en a d'autres, mais j'ai fait le New Vegas, en l'occurrence, pour parler de Fallout, que j'avais vraiment bien aimé d'ailleurs. J'avais fait sur PS3 à l'époque. Ah ouais? D'accord. Et ça fait partie de la série des Fallout, alors ton jeu là. Du coup. Bah le New Vegas, je l'avais fini. J'ai fait que le New Vegas. Hein. J'avais fini, mais je l'avais poncé. J'avais fait même toutes les quêtes secondaires et tout. J'avais bien kiffé. Ah d'accord. Je connais pas. Hein, je connais pas du tout. Mais ouais, le New Vegas. Pourtant, tu vois, je suis pas vraiment next gen. Hein. J'en ai fait des jeux next gen. Hein. Il y a des bons jeux. Bah je sais qu'il existe, mais bon, moi je. C'est pas mon genre de jeu. Après, il y a des très bons jeux, tu vois. Je joue sur 360, des fois sur PS4 aussi. Hein. Mais c'est beaucoup de remaster et de remake de jeux rétro, justement. C'est vrai qu'en next-gen, le dernier que j'ai fait, c'est Shenmue 3, quoi. Parce que je suis un grand fan de Shenmue, quoi. Pour ceux qui me connaissent, ils le savent, hein, moi c'est principalement du rétro. Mais après, il y a des points de chaîne pour proposer des jeux, donc on peut proposer des jeux, il y en a pour tous les goûts, quoi. Alors, ça va, bah après quand on aime, là t'as de quoi faire. Hein, parce qu'ils sont super longs les Fallout. Hein. Enfin, le New Vegas en tout cas, super long. Ça en finissait jamais, quoi. Ça en finissait jamais. Les New Vegas, tout le temps des quêtes qui se rajoutaient. Même quand tu faisais l'histoire principale, t'avais toujours des trucs à faire quoi. C'est super long. Super long quoi. Oh! Bartrang! C'est pas le tring. Dès le début, il m'envoie dans les choux, quoi. Sérieux, hein? Alors, on va la faire à un moment opportun. C'est pas le meilleur moment pour la faire, mais c'est pas mal. Alors. Il y a The Outer World qui est très sympa, c'est un Fallout-like. J'ai un 2 Tactique New Vegas sur CD, et Brotherhood of Steel, les autres sur Steam. Ouais, vous êtes des grands fans de Fallout ou quoi, les mecs? Ce qui n'est pas un mal, hein. C'est pas un mal. Oh, je suis deg. Vas-y. Ah, ça m'énerve. N'importe quoi, j'étais trop bien.
Oh putain! Il reste un tour. Hein. Faut que je sois premier, hein. Il n'y a pas de... Vas-y! Ça va être temps d'axe, je crois. J'ai eu de la chance de pas me faire bouffer. Ah putain, j'ai eu peur. Ah putain. Ah, je suis dégoûté de la vie. Je suis un grand fan depuis le tout premier. Pour moi, ça reste une bonne série de jeux malgré quelques bugs et incohérences. Ah putain, je suis deuxième quoi, merde. Pas de coupe en or. Pas de coupe en or. Coupe en argent. Donc à recommencer. Dommage. Il ne reste plus beaucoup de coupes à faire. Mais on va en faire une autre pour varier, bien sûr. On la fera en dernier, celle-là, celle en argent. On va pas vous imposer la même coupe. On va varier quand même. Ça c'est fait. Ça c'est en argent. Donc vous voulez quoi, coupe rétro ou coupe spéciale? Je vous laisse le choix. La rétro c'est celle-là avec les circuits SNES, DS, GameCube, N64. Ça c'est la coupe arc-en-ciel quoi, on va dire. Spécial quoi. Je voulais choisir la coupe que vous voulez entre les deux. Si vous voulez choisir, hein, sinon je la choisis. J'ai encore 20 secondes. Sinon je la choisis. Hein. Comme ça, il doit rester les deux là. Il n'y a personne qui choisit. Ok. Moi j'ai si bien commencé. Pas grave. J'ai encore un petit peu d'avance quand même. Ça. La princesse, elle me colle au cul, hein. C'est juste un truc de dingue. Go, 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 go.
Putain, il a volé tous les champis, cet enfoiré. Derrière moi l'autre. Ça va. Celle-là, elle est chaude. Celle-là est chaude. Alors, c'est inversé, hein. Bien entendu. Donc, on roule dans l'autre sens. Normalement c'est à gauche, mais là c'est à droite. Logique. Normalement, ouais. Ça veut pas dire que c'est facile. Pas tout éviter. Le gros bordel. Ah, il a voulu me pousser dedans, le bâtard. Ah, t'es sérieux? Eh ben, ils étaient pas loin. Ok, ça marche, Colgrom. A plus, merci d'être passé.
Bien. Ok. Putain, le gros bordel de merde. Hey! Mais t'es sérieux ou quoi? Reste un tour. Oh la vache, j'ai eu de la chatte là par contre. Ça oui, je dois bien le dire, là aussi. T'as l'esquive. On m'appelait Nono l'esquive quoi. Pas de problème. Hein. Nono l'esquive. C'est la fin. La classe. Pour l'instant, 3 fois premier. Hein. Il reste une course, bien sûr. Il reste une course. Course arc-en-ciel, ça va. Elle est inversée, hein. Elle est inversée, donc à voir. Yoshi n'est pas loin de moi. Aïe. Hey! Putain. Ah, ça va, je l'aime bien, mais bon. En inversé. Ah, putain! Ah, la vache! Juste quand tu dis ça en plus, putain merde, j'étais trop bien quoi.
Fais chier, ville. Je rigole. Bien entendu. Ah putain! Ah faut jamais le dire! Mais moi je le dis moi! Faut jamais le dire! Alors, on s'en fout, on a été trois fois premier donc là on a la coupe en or. Quoi qu'il se passe. Encore un tour. Ça va bien se passer. Quoi? Blague? Il est vénère le premier. Hein. Ça va, j'arrive quand même à l'avoir. Impeccable. Quatre fois premier dans cette coupe. Hein. 60 points tout rond. Là, normalement, on va gagner quelque chose. Je pense. Le dernier pilote, peut-être. Une nouvelle moto, déjà. Est-ce que c'est tout? C'est tout, pense. Putain, on l'aurait fini en or, il nous resterait qu'une coupe, les gars. Putain. Ah la vache. Ah là, ça se corse en miroir quand même. Ça se corse. Ça se corse sévère. C'est normal. Bon, déjà, on a gagné la dernière moto, apparemment. Dernier véhicule. Mais il nous manque un personnage. Alors, je pense que c'est en finissant tout l'or qu'on débloque le dernier personnage. Voilà, ouais, on a tout débloqué, d'accord. Propulseur. Moi je préfère mon kart quand même. Je préfère mon kart. Je préfère les cartes que les motos quand même. C'est Mario Kart, c'est pas Mario Moto. Au début c'est pas mal les motos, au début, au tout début. On va se péter celle-là. On va bien se la péter.
Ah bah oui. Ça c'est inévitable ça. Putain, je vais me la prendre. Qu'est-ce que j'avais dit? Tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu venir. Et je m'explose tout seul. Ah oui. C'est le dernier tour en plus que merde. Oh non. Eh hey. Oh là là. Eh, je sais plus jouer. Ça c'est une blague. Une grosse blague. Juste à la fin, non, non. Certainement pas. Je me suis explosé quoi. Juste à la fin. Faudra qu'on se refasse la version 64 aussi, un de ces quatre. À fond. Tout en or aussi. La version SNES aussi. Qui est beaucoup plus dure, la version SNES. Hein. C'est le plus dur de tous. Putain! Et le premier, il est vénère aussi, tout le temps. C'est normal, hein. Ça commence bien. Ça commence super bien les gens. Ça commence super bien. J'ai pris pas mal d'avance là. J'en étais sûr.
quasiment une évidence. Incroyable. L'autre il est à fond là derrière. J'ai explosé. Ah oui, hein. Eh oui, hein. Il va me la lâcher dans la gueule. Je suis quand même premier, hein. Bon. Oh putain. Encore deux courses. Eh ben. Celle-là, elle était dans double dash aussi. Quand tu penses que la Wii est sortie après la GameCube. La GameCube, elle vaut 10 fois la Wii, quoi. Ah bon. J'aime bien quand même. Bah, t'as des points de chaîne, hein. Tu pourrais la balancer sur le chat si t'as assez de points de chaîne. Faut regarder les points de chaîne. C'est mieux quand il y a des viewers et qu'ils puissent voir ta chaîne, quoi, non? Je crois pas. Sur Discord, elle sera vue, mais... C'est mieux en live, non? Je sais pas, c'est pour toi que j'ai ça. Il y a des points de chaîne pour ça. T'as combien de points là? Parce que ça va vite, hein. Oh là! Après, c'est pour toi que je dis ça. Moi, je m'en fous que tu balances ta chaîne YouTube sur Discord, tu peux le faire si tu veux. Mais c'est mieux de la balancer sur un live, de façon à ce que les viewers qui soient ici présents en live voient ta chaîne YouTube s'ils veulent cliquer dessus comme ça. Si ça les intéresse, ils peuvent cliquer tout de suite dessus, tu comprends? Que sur Discord, ça va être vu. C'est pas dit que ce soit cliqué dessus, quoi. Enfin, moi, je dis ça pour toi. Hein. Ben voilà, ouais, c'est pour ça que je dis ça. Hein. C'est pour toi. Hein. Comme ça, au moins, ta fidélité sera récompensée. Comme c'est le cas pour chaque récompense de points de chaîne. Finalement. Que ce soit les jeux proposés, les pubs sur la chaîne... VIP et autres petites subtilités, mais je rajouterai d'autres choses. Putain, j'ai quelques idées. J'ai quelques petites idées. Pour l'instant, je trouve que c'est pas mal comme ça.
pas loin. Ah, tu vois ce que je veux dire, quoi. Moi, si ça intéresse quelqu'un en live directement, ça... si ça veut cliquer sur ta chaîne, ce sera direct. T'as compris le système, quoi. T'as compris le but. C'est pour vous, c'est mieux. Heureusement que j'avais gardé... Quoi? Ah, les fils de P. P. Fils de P. Ah, dégoûté quand même. Alors, c'est pas mal, hein. Je vais être dans les premiers encore. Deuxième. Alors, faut que je sois impérativement premier à la dernière course en fait. Tout simplement. Tout simplement. Ah, ça peut le faire, j'aime bien celle-là. De la N64, ça va encore. Ouais, pas facile, mais ça va. Y'a moyen, quoi. Y'a moyen, y'a moyen. Si je gère, y'a moyen. Ah merde. C'est normal. Quand on est premier, on en paye aussi le prix. C'est logique. Peut-être pas à ce point quand même. Il est loin le premier, oh le batteur. Super loin. C'est une blague. Oh l'autre est... Putain, sérieux? Ah là là, Daisy là. Elle est chambée Daisy, hein. Elle est chambée Daisy, hein. Elle est chambée la petite. T'es sûr? Donne-moi ça. Waouh, ça part. Faut prendre des risques. Oui, faut prendre des risques. Il faut prendre des risques. Ça, c'était sûr, hein, et puis c'est normal.
Vas-y, il mérite pas d'être premier, lui. Putain. Ouais, bah... Léon. Alors, je sais pas si je vais être premier, là. Putain! Putain de bébé Mario! Putain. On a eu l'argent encore, quoi. Deux coupes d'argent. Et bien sûr, la fin du jeu en mode inversé. Alors on a tout rempli, il faut tout remplir en or. Ah putain. Enfin, il faut, je veux. C'est pas il faut, c'est je veux. On devrait pouvoir le faire. Manque un personnage. Hein. C'est les deux là. Allez. Pas le plus dur, hein. Mario Kart Double Dash est quand même un peu plus dur pour le 100%, on va dire. On va appeler ça comme un 100%. Pour avoir toutes les coupes en or. Pas tiers. Ça c'est dégueulasse, c'est de la merde leur caisse fantôme là, c'est vraiment de la chiasse. En fait ça sert à rien quoi. Ça sert à la déposer au plus vite quoi, c'est tout. Mais c'est tout. T'es même pas immunisé contre les carapaces rouges quoi. C'est dégueulasse. La gueule du mic. J'adore la gueule du mic quand il est content. Il fait la tête vénère alors que voilà.
Bye bye. Vol, hein. Je me prends la totale dans la chaudron là. Il a cru, Luigi. En plus, je le déteste, Luigi. C'est un perso que je déteste. J'avais bien rattrapé, hein. C'est la guerre, hein, ce circuit, c'est la guerre. C'est un peu dégueulasse, quand même. Premier. Pas du tout premier, mais bon. Ah, le bâtard! C'est dégueulasse, franchement c'est dégueulasse. Deuxième quand même, bon. Ah là là, galère. Je suis quand même premier, mais bon. Hein. Chaud. Circuit de merde, quoi. Blague. Les bananes. Premier tour, ça va, mais bon.
s'ils arrivent à passer là. Bonne chance. Putain. Oh! Ah, y a Luigi qui arrive encore, hein. Foiré. Pas loin le petit Luigi là. Il était pas loin. Dernière course de cette coupe. On devrait pouvoir en voir le bout à peu près comme il faut. Ah là là, ah là 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 là. Pip, pip, pip. Je savais. Moi, je fais la guerre à Luigi, moi, en vrai. Je fais la guerre à Luigi. Je l'aime bien que dans Luigi's Mansion, Luigi. Voilà. Parce que ça lui correspond bien, en fait. Ça lui convient très bien, le rôle de froussard, de boulet. Finalement. Bah, ça va. On l'a défoncé, la coupe. Allez, coupe en or, il nous en reste une seule. Est-ce qu'on va débloquer quelque chose? Une étoile en plus. Peut-être. Ah oui. Une nouvelle moto légère. Et c'est tout. Voilà, il nous reste un point gris là sur la carte. On va s'en occuper de suite. Je pense que le dernier personnage, tu le débloques vraiment quand t'as tout en or. Peut-être. Je sais pas. Voilà, c'est la dernière. Et pas des moindres. Montagne des Caches, Château de Bowser, Jardin Peach,
c'est pas des moindres. Après, on sera bien, les amis. On pourra le cocher de la liste des jeux finis. Un de moins. On va enchaîner. Il y a des jeux, ça fait vraiment trop longtemps que je les ai commencés. C'est plus possible d'en entamer d'autres. Ah ouais, hein. Ouais. Bitch. C'est pas pitch, c'est bitch. C'est bitch qu'il faut l'appeler, pas pitch. Allez, tous vous faire foutre. J'ai rien chopé en plus, merde. Oh putain, t'es sérieux? Ça commence mal là. Ça commence super mal, les amis là. Que j'irai remonter comme ça. Et maintenant vraiment. Ok, on recommence direct, on perd pas de temps. Ne perdons pas de temps. On en a déjà très peu. Ah là là. Bah, cette fois c'est la bonne, hein. Comment? Comment comment ça se pose? Même pas eu juste à la fin l'autre. Mais en vrai, c'est pas le plus dur de tous les Mario Kart. Clairement pas. Y'a pas de problème quoi.
No problem. Ça va, ça va pas bouger. Hop. Je savais. Vengeance. Tu vas, toi. Oh putain. Dixième. Oh vas-y. Les enculeuses. C'est vraiment une blague, hein. Oh putain! Bon, il reste un tour, mais bon. Eh, hey, je suis avec la taxe! Ils sont tous là. Ils sont tous là. Il s'agirait de bien gérer là. Putain, je l'ai pas eu. On a un qui va me balancer une connerie à la fin encore. Hein. Ok. Il n'y a plus que deux courses et on a fini le jeu à 100%. On aura tout eu en or. Allez, courage. Parce qu'au début ils prennent tous un item et ils lâchent tout sur leur passage, c'est bon. Mais ça fait que au début, ben, faut juste en prendre plein le cul quoi. Voilà ce que ça fait en fait. Oh. Putain, mais qu'est-ce qu'il foutait là, quoi? Là. Oh là. Ça va commencer à bien me gaver là, attention. Hein. Attention à Nono là. Allez. Roule. On va pas donner grand chose, mais bon. On va pas trop se plaindre.
Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire comme je dis, putain. Tiens. Vous voulez des bananes? Ok. Bananes, on va leur en donner. Par contre, la carapace bleue, elle est où là? Je l'ai pas prise. What? Ah, impeccable. Décidément. Je tourne ma tête en même temps que je tourne le kart, ça sert à rien. Ah, c'est machinal. Allez! Je l'avais, c'est dégueulasse. C'est la course de Bowser après là en plus là, N64 ou quoi? Ouais, ça peut gérer. Ça peut gérer. Ah oui, allez, vas-y. Pour me faire perdre à ce moment-là du jeu quand même, merde. C'est pas juste. Ce n'est pas juste. Putain! J'ai éclaté moi. Dégage toi. Oh. Bon, c'est pas fini hein. Il y en a un qui s'y est pris. Oh. Oh là là! Ce qui est chiant, c'est que ça m'a coupé dans mon élan, quoi. C'est surtout ça qui est chiant. Allez, il reste un tour après. Allez, génial, vas-y. Putain! Septième. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Ça c'était magnifique ce que je viens de faire. Dommage. Allez.
en garde un. S'ils nous font pas de vacherie. Ça va, j'ai vu pire comme vacherie. Je croyais que j'allais tomber dans le trou là. Je mérite. Je mérite. Là, il n'y a pas de mystère, c'est du premier. Voilà, impeccable. Oh putain. On a eu la dernière coupe en or. Alors, je sais pas ce que ça fait. Peut-être rien. Peut-être le fait de... Quand même une étoile, donc. Bon, la fin, on l'a déjà vue. Ah, on est obligé de laisser parce que on a tout fini en or. Alors on peut rien faire. Hein. Non, on peut rien faire. On est obligé. Donc c'est qu'il doit y avoir quelque chose éventuellement. Parce que même à l'époque, j'avais pas fait à 100%. Hein. J'avais juste fini. J'avais même pas fait le mode miroir à l'époque. Bon, on a tout eu. Allez, un jeu qui a été commencé, de fini. Un jeu de fini de ceux qui avaient été commencés, c'est cool. Déjà. Et surtout à fond. Ah. Ce qui n'est pas une obligation, mais bon. Me connaissant, le goût du travail bien fait. On aurait pu juste le finir toutes les coupes, hein, mais bon. C'est plus propre en or, quoi. C'est plus classe. Ah bah, je trouve. Je peux absolument pas passer, hein, donc j'espère que ça va faire quelque chose. Déjà, quand tu finis le jeu, il n'y a pas de fin comme ça autrement. Donc là, on l'a vraiment poncé. Quoi. On ne peut toujours pas passer. J'appuie sur tous les boutons du Wiimote manette. On ne peut pas. Bah, c'est la vraie fin, quoi. On va dire. Ça se trouve, ça donne qu'une vraie fin. Voilà, c'est tout. On va bien voir. En tout cas, c'était cool de le refaire. Ça m'a gavé vers la fin quand même, ça m'a gavé, il m'énervait. Ah bah y on l'a vu le dernier personnage qui a débloqué, c'est Birdo de Mario Bros 2. On vient de le voir puisqu'on ne l'a pas dans la liste. Si ça se trouve, on va le débloquer maintenant. Ce serait cool. C'est pas le plus dur des Mario Kart, mais quand même assez chaud. Quand même. Au moins, on a droit à une vraie fin, quoi. Ce qui montre que le jeu est bel et bien fini. Je peux rien passer, hein. Bon petit jeu ce Mario Kart, oui. Bon petit jeu. Bon petit jeu à avoir dans la collecte si on fait un peu de oui. Bon petit jeu sympatoche. Sans le volant, hein, bien évidemment, et sans une chuc. Hein. À la manette, oui, exclusivement, que je conseille pour le confort optimal. Hein. Bien entendu. Hein. Sinon, c'est la merde.
crois qu'à l'époque, je l'avais pas fait à la manette aussi. Donc voilà quoi. Ah bah là, il y a un beau screen là. Ah, il nous propose de le mettre sur le bureau de la Wii. En mettre Wii. Ah, comme ça, quand on mettra un jeu Wii, on aura cette photo en souvenir qu'on a tout débloqué quoi. Ok. Ah, nouveau screen déjà. Ah, c'est beau ça. Magnifique. Tout en or. Me dis pas qu'il y a un autre. Ah. Carte léger Blue Falcon. Petite référence à F-Zero. Sinon le reste, voilà. Ok. Donc il nous manque un perso et là je pense qu'il faut vraiment avoir un maximum de points, tout ça. Bon. Et bah c'est cool. Donc on va en rester là pour aujourd'hui. 2008, ah, il a 12 ans quand même le jeu. Même 12 ans. Oui, oui. On a tout, voilà, bon. Et d'un, et de un, et d'un, je finis. Et de un. Pouvoir l'enlever de la liste des jeux commencés, c'est cool. Après, c'est Mario Galaxy, hein, demain. Là, il y a un peu plus de boulot quand même. Après, il y aura San Andreas, FF10 et d'autres jeux encore commencés, quoi. Voilà, donc je sais pas si je vais faire un petit raid, on n'est pas beaucoup. Je ne sais pas. On n'est pas beaucoup, mais c'est pas grave. On peut faire un petit raid quand même, hein, pour le geste. Moi, je vais en rester là pour aujourd'hui, donc. Donc, merci à ceux qui étaient là, qui sont passés, qui ont regardé. J'espère que ça vous a plu. Et je vous donne rendez-vous demain matin pour du Mario Galaxy. Et pareil, hein, on le fume, on avance. On va voir qui c'est qui stream. Il y a beaucoup de monde qui stream par contre là. Waouh! Il n'y a que l'embarras du chouet. Il n'y a que l'embarras du chouet. On va prendre quelqu'un qui n'a pas beaucoup de monde de préférence. Il fait quoi lui? Psycho Circus. Je vais aller chez l'ami Constip TV, ça fait longtemps que j'ai pas vu. Hop. Allez sur ce, des bisous, à la prochaine. Tchuss. Bah là en gros faut que je trouve la clé.